Bonjour les amis, c'est Benji Kenzo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va tester la version PS5 de Crash Bandicoot 4 Is About Time sur PlayStation 5. Un jeu sorti en décembre 2020 sur PlayStation 4 et le 12 mars 2021 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch. Donc je vais vous faire le test sur PlayStation 5. Donc c'est parti, on va faire une nouvelle partie si je peux. Ah non, je peux pas. Bon, bah, on va faire quelques petits niveaux, les amis, en vidéo. On va faire le tout premier niveau, le du réveil. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisse ton plus beau pouce bleu, laisse un petit commentaire en bas de la description, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. C'est parti, les amis! En avant pour le premier niveau de Crash Bandicoot 4. C'est parti. Alors, on va faire lancer le niveau. Des graphiques améliorés sur PlayStation 5. Un 4K encore plus magnifique. On regarde la vidéo chute. On se retrouve juste après, les amis. Le grand Néocortex, j'étais exactement où je te voulais. Et maintenant, le coup fatal. Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie. Ça va rater. Encore. Au moins, Uka Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Je ne resterai pas assis là à ne rien faire qu'entendre tes inepties pour une décennie de plus. Et ta façon de mâchouiller. Évidemment, Cortex est de retour dans cette aventure. Est-ce qu'il est mort? Laisse-le, il ne sert plus à rien. Crash Bandicoot 4, Is About Time. Un grand pouvoir s'est réveillé. Crash, je crains qu'il n'annonce une catastrophe aux proportions cataclysmiques. Je sens que ça vient du pic Insanity. Vite, il faut y aller. Crash, Crash, Crash. Bah allez, c'est parti les amis. Alors, magnifique le jeu. Alors, carré pour faire la tornade. On va récupérer tout ça. Ah non, le chrono, non merci. C'est impossible. On va casser les caisses. Tac. Hop. Les monstres sont toujours aussi chiants. Allez, ça dégage. Ah, Sangili, Pumba, tiens. Viens là, viens là, viens là. Tiens, ça dégage aussi. On continue. On saute. Ding, ding. Si vous vous procurez la version PS4, vous aurez la version PS5 gratos via un contenu téléchargeable, comme moi j'ai fait, parce que la version PS5 boîte n'est pas sortie encore. Et du coup, je vois pas l'intérêt de racheter le jeu alors que qu'on a le jeu gratuit. C'est comme comment ça s'appelle, Watch Dogs Legends, tout ça, tous les nouveaux jeux, bah on a une mise à jour gratuite. Et là, prochainement, il va y avoir les Avengers avec une mise à jour gratuite sur PlayStation 5. Donc je vous ferai peut-être le test sur ma chaîne, on verra.
pour voir la différence. Mince. Pour voir la différence des graphismes. Alors on voit déjà une grande différence de la version PS4 à la version PS5. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus magnifique. Les effets visuels sont impressionnants. Regardez. Regardez comment c'est joli. Regardez la différence sur YouTube avec la version PS4 et la version PS5. Vous allez être surpris. Allez, c'est parti. On va essayer de récupérer toutes les caisses. Tac, tac, tac. Et hop, je l'ai pas loupé cette fois-ci. Ça dégage. Et voilà, impeccable. On a tout récupéré. Avec le Ukuba. Ah, il y a un ennemi. Hop. Ah, lui, il tue d'un seul coup. Hop là. Et ça dégage. Et on a récupéré la caisse en même temps. Et hop, ça dégage. On passe en dessous. On saute. On dégage. Le jeu est très dur. Donc si je meurs, ne vous attendez pas que je rage. Je rage direct. Ah là, il y a un petit bonus, on va le récupérer. Et dans ce jeu, il y a une différence des anciens Crash Bandicoot. C'est qu'on a les vies illimitées. Il y a un mode de jeu classique et un mode de jeu... je sais plus c'était quoi. Attendez, je vais vous dire. Mode de jeu moderne et rétro. Rétro, c'est quand on a des vies. Et moderne, c'est on a des vies à l'infini, en fait. Ouais. Hop. Là, on a tout récupéré aussi. Nickel. Regardez, la tête de Crash sur votre droite. Il y a une tête de mort. Ça signifie le nombre de fois qu'on meurt. Du coup, c'est pas comme dans les autres où quand on a plus de vie, on recommence à zéro. Là, c'est ça dégage l'araignée. C'est beaucoup mieux. Attention, on va essayer de récupérer tout là. Ah. Voilà, on saute et on ressaute. Voilà. Tac. Et ça dégage. Attention, t'as pas eu le temps de tirer toi. Voilà, on récupère tout. Ah, c'est bon ça. Ah mince, on en a oublié une. Oh, c'est pas grave. On a fait quand même un bon record. Niveau terminé du réveil. Et on a débloqué un trophée invisible. Invincible, c'est quoi ça? Alors là, on peut rejouer ou on peut continuer. Bah nous, on va continuer, on va pas refaire le même niveau. Niveau suivant. Regardez-moi ce trouillard. On contre la montre, j'ai réduit tout de nouveau. On va faire Tarzan, les amis. Hop. Oh, un ennemi. On saute et on dégage. Et j'ai entendu parler que ça sur la version PC sort le... 26 mars, je crois, je sais plus. Ou 24, je sais plus. Voilà. Hop. M'a loupé. La TNT. On va sauter avant que ça explose, voilà. On récupère tout. Moi, je récupère tout dans les jeux. Je n'essaie de pas tomber. Un petit continu. Et voilà. C'est nickel. Qu'est-ce que c'est?
ça là. Non, 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 non. Pour l'instant, on n'a pas perdu. Tiens, c'est ça que je voulais faire. Et vu que le jeu, comment il est dur. Là, ça va, c'est facile encore. Après que ça se complique. Regardez, là, il y a des nouveaux trucs. C'est des plateformes qui disparaissent, qui réapparaissent. On y va. Là, il y a un bonus, on va les faire. Et on va voir ce que ça donne. Alors, pour sauter plus haut, c'est comme ça. On appuie sur rond et sur croix. Là, c'est pareil. On va récupérer ça, parce que sinon, on ne pourra plus récupérer. Voilà. Ça, ça. Voilà. Ça c'est nickel, impeccable. Ah bah j'ai perdu mon masque. C'est pas grave. Allez, on continue les amis. Alors, comment on fait? On va aller par là. Il y a un bonus ici, mais je sais plus comment on fait. On va courir, les amis. Il y a une bestiole qui nous court juste après. Ah, les courses poursuites, c'est ce que je kiffe le plus dans Crash Bandicoot. Ah. Cours Forest, cours. On essaie de tout récupérer mais c'est pas évident. Surtout s'il y a un gros plein de joues qui nous court après comme là. Allez saute. Ah bah voilà, première vie perdue. Il est tombé. Et de deux. Et voilà, là par contre c'est la bonne. Ah. Cours, 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 cours. T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas. Ouh. On a eu chaud. Et voilà, niveau suivant. On débloque des skins dans ce jeu. Continuez. Ah, c'est bien ramassé. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Crash, qui est-ce? La Niloli. Si les masques du Quantum sont revenus, alors... Salut Aku, comment ça va? C'est une faille temporelle? On dirait que c'est une porte entre deux dimensions. Oui, oui, le genre qu'on garde fermé. Il faut qu'on traverse, qu'on trouve mon jumeau et qu'on règle ce problème avant qu'Afada, avec un gros plan maléfique et un ego encore plus gros, me fasse un truc monumentalement stupide. Oka sans le vouloir, ouvert la voie vers notre glorieux futur. Lorsque mon générateur de failles sera terminé, nous pourrons régner sur l'ensemble du temps et de l'espace. Engine Embryo. Vous aviez des petits projets dont vous vouliez me parler. Maître, ma merveille mécanique vous hypnotisera une armée. Et ma potion les rendra impossibles à arrêter. Oui, c'est ça. Amuse-toi avec tes fusils laser et autres bidules. Active-toi. D'après mes calculs, nos ennemis avancent déjà contre nous. Et nous les vaincrons.
Bon, on continue les niveaux. Ça sera le dernier niveau de la vidéo, les amis. Je l'ai pas fait, je vais le faire avec vous ensemble. On va le faire ensemble. Et donc, il faut les autres masques pour fermer la faille. Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle. On a plusieurs masques dans ce jeu. Vous cherchez votre précieux masque ? Et voilà le fada dont je parlais. Ne t'inquiète pas, on a un truc. On se bat, il perd. C'est une dynamique bien établie. Pas cette fois. J'ai votre passe pour les coulisses. Où vous allez rencontrer vos personnes, mon arme de percussion massive. Préparez-vous, ça va chauffer. Bon, voilà, donc là on a le masque, je sais plus qui. Le but de ce masque, c'est de faire apparaître des choses, regardez. En appuyant sur L2 et R2. Non, en appuyant sur R2, pardon. On récupère, alors regardez par exemple. Là, on peut pas passer, et là, on peut passer. Là, par contre, on va tenter l'impossible. Voilà, ça c'est bien. Le jeu, c'est de récupérer le maximum de caisses. Là, c'est bon. On récupère tout. En direct du palais de la guerre. Ça va être compliqué. Ah, c'est bon. Au suivant. Oh mince. On a eu chaud. Il y a un ennemi, ça dégage. Ah, il est parti en orbite. Voilà. Continue. On va exploser la TNT d'abord. Voilà, comme ça, cela on peut les récupérer calmement. Ah, c'est quoi ces gros poissons là? C'est des piranhas? Aïe 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 aïe, je suis tombé. On va essayer de se dépêcher. Ah, voilà. Elle saute. On a réussi à aller tout en haut. De toute façon, on n'a pas loupé le dernier, nickel. Oh là là là, on est dans la mouise. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Et bah ça. Voilà. On appuie au bon moment. Et ça passe crème. Voilà, on récupère. On s'éclate la gueule. Attention, la glissade. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, on descend. On remonte, on remonte. On descend. On remonte. Oh là là, on a eu chaud. On remonte, on descend. Oula. Ouh. On remonte, on saute. Impeccable. Oh mince, on va foirer une caisse, bon c'est pas grave. On va être obligé de faire ça. Hein. Bon attention là, faut faire vraiment attention. C'est parti les amis. Wow. Oh la vache, on saute de rail en rail, en appuyant sur, on récupère, on saute. Tu veux bien m'arrêter de
On descend. À gauche, à droite. Il veut pas. Non. Et ben, je me suis trompé. Il s'est rétamé la figure. On va pas refaire ça. Hein. On y va direct. Oh, j'ai été un peu vite là. C'est reparti les amis. On récupère. On a loupé. On va pas récupérer tout le temps parce que là c'est chiant à chaque fois. Peut-être ceux-là là. Voilà. On reste en bas. Voilà. On monte. Voilà, ça c'est bon. Toi tu dégages. On a débloqué un trophée. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Aïe. C'est magnifique. Mais est-ce qu'on va réussir sans tomber? Ça je me le demande. Ah les piranhas, ils sont durs. Récupère un masque. Ça c'est un jeu qui fait vraiment rager. Et voilà les amis, on a fini le niveau. Bon écoutez les amis, je pense qu'on a fait assez de niveaux pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, laissez votre beau pouce bleu de soutien. Laissez un petit commentaire en bas de la description. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et Twitch en bas de la description. Je vous dis à la prochaine les amis. Portez-vous bien. Salut !